Salut tout le monde, Max Lalonde, on est à Montréal et on s'en va jouer au golf. Let's go! Alors, centre-ville de Montréal, ce qu'on veut faire avec la campagne Sortez golfer, c'est prouver à tout le monde qu'on peut jouer au golf n'importe où quand on a envie de jouer au golf. Je vais visiter des gens dans une tour à bureau qui terminent leur journée de travail pas mal là. J'ai des potteurs, des balles de golf, je veux leur proposer un défi parce qu'on va avoir bien du fun là, avec eux. Fait qu'on essaye de quoi aujourd'hui? On est à Montréal Cowork, c'est un espace évidemment de coworking où il y a plusieurs entreprises qui travaillent ensemble, qui partagent des bureaux. Et là, j'ai des potteurs, des balles de golf. Je vais organiser un concours de potting avec des gens qui sont dans le bureau ici. Fait qu'on va essayer de trouver du monde. La journée de travail est pas mal finie. Il doit rester des gens qui sont en overtime ou quelque chose. Puis je veux les déranger littéralement pour les sortir justement de leur journée de travail. Comme ça, ça a l'air d'un meeting important. Oh! Est-ce qu'il y a du bruit ici? On va aller voir là. Oh! C'est une gang de filles. On va aller déranger, moi. Allô, les filles! Hey! Comment ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Je sais. Je me présente, Max Lalonde. Je suis avec une équipe de tournage. On tourne des capsules aujourd'hui pour Golf Québec, pour la campagne Sortez golfer. On veut inciter les gens à jouer au golf et à jouer au golf n'importe où. Fait que, par applaudissement, qui a déjà joué au golf? Le golfeur, ça compte. Oui, ça compte. C'est correct. Si ça vous tente, et si votre boss veut, je vous sortirai de votre environnement de travail. 10-15 minutes, on se fait un concours de potting, puis j'ai un défi pour vous autres. Ça vous tente-tu? OK, cool, c'est bon. J'ai les bâtons, les balles, tout. On s'occupe de tout, venez-vous-en. Good, all right. Est-ce que ça va être le fun? C'est quoi vos noms, les filles? Sabrina. Maxime? Amandine. Sarah. Isabelle. OK, fait un petit pot facile d'à peu près 85 pieds. Moi, j'ai confiance, les filles vont être capables. On va du plaisir. Alors, sur le trou numéro 1 de Montréal Cowork sur la rue Saint-Denis. Faites du bruit pour Isabelle. Ça semble bon. Est-ce que ça va accrocher un quart de porte? Est-ce que ça revient? Peut-être? Ah! Oh, première prise. Je pense. Aïe, aïe, aïe. Je pense que Sabrina est choquée. Je pense que ça semble bon. Ah! Vas-y. Non, c'est des vraies balles. Es-tu malade? Il y a des vitres à grandeur ici. Là. On ne donnera pas des vraies balles, certains. Ah, ça, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ah! Presque! Chut! Silence! Sérieux? Silence, guys. Ça y va-tu? Non! Je pense que oui. Non! OK, les filles, on sort pas de ça tant qu'il n'y en a pas une de vous autres qui l'a eu, OK? Ouais, on va leur donner une chance. J'ai avancé le trou un peu. C'est sûr que pour commencer, un pote de 85 pieds, c'est pas nécessairement facile. Mais elles sont super bonnes. Merci. Allez-y, les filles. Ah, t'as vu la wave? C'est la première fois que je lis un verre en époxy et en béton dans une tour à bureau de Montréal. J'adore ça. Ça change l'environnement, pour vrai. Ça change de ce qu'on fait sur le terrain d'habitude. C'est ça qui est cool. Ça y va. Non! Oh! Yes! Good job! Le but de cette affaire-là, le but de faire ça aujourd'hui, c'était de vous faire découvrir un aspect du golf. Parce que d'habitude, on fait ça sur un terrain, sur un 18 trous. Mais regardez, on a passé quoi? 15 minutes à poter, vous avez eu du fun? Ben oui, j'ai oublié que c'était à la job. Pour vrai? Ouais. C'est ça le but? C'est ça le but. Puis évidemment, vous êtes à la job. Mais là, je pense que votre journée est pas mal finie, par exemple. Ah, moi, je pense que ça achève. Je pense que ça achève. Peux-tu vous proposer comme un dernier défi? Ouais. Mais pas ici. Faut qu'on sorte d'ici, faut qu'on prenne les autos, faut que je vous amène dans un endroit vraiment cool. OK, mais c'est où? Ça, c'est une surprise, je peux pas vous le dire. On s'en va jouer au golf dans un endroit vraiment cool sur l'île de Montréal. On peut pas dire non. Ouais, non. Ça vous tente? Oui, OK, cool, let's go! Yeah! OK, la soirée est bookée, on sort golfer. Salut!
Et voilà. Et puis en plus, au moment où on arrive, on est en train de placer les chaudières pour le défi. Puis ça, je vous l'explique dans les prochaines minutes. Je vous ramasse des bâtons. Je vous explique ce qu'on va faire, mais je vous lance un défi ici à relever tantôt. J'espère que vous allez être meilleurs qu'au potin. OK, les filles, voici le défi. On a des chaudières qui sont placées à quelques pieds de où on se trouve. Je vous donne des bâtons. Les gauchères, c'est lesquelles déjà? Celles qui n'ont pas changé d'idée encore? Gauchères, gauchères. Est-ce que j'ai jamais vu ça? Vous avez changé d'idée en cours de route. Droitières, ça va être ça ici. Droitières aussi, ça va être ça. Fait qu'à tour de rôle, on va s'essayer sur les tapis, les gauchères de ce côté-là, les droitières ici. Puis le but, c'est de mettre une balle dans la chaudière qui est là. Je vais l'essayer, ça sera pas facile. Mais le but, c'est quoi? Mais non, c'est gagné, ouais, non. C'est pas ça, non, c'est vraiment s'amuser. Bonne chance, les filles, on va checker ça. Comment vous avez trouvé ça? C'est le fun! C'est le fun, ouais. C'est le fun, ça fait différent pour soirée de fête d'habitude. Hein? Ouais. C'est plus fun ici qu'au bureau. Oui, ouais, ça c'est sûr que c'est plus ça. Tout est plus fun qu'au bureau quand ça implique du gars, puis c'est ça qu'on voulait faire. Là, on a pratiqué la précision, on vous a fait frapper sur les chaudières qui étaient là tantôt, là on les a enlevées. J'ai le goût de voir s'il y a des bras après ça. Là, j'ai le goût de voir si vous frappez loin. Je vous laisse un bois d'aller, puis c'est un concours de distance. Alors que celle qui frappe la plus fort gagne. Parfait. C'est bon? Qui commence? Oui. Toi. Solide! Good job! Ben oui. Solide! Solide! Et voilà! Solide! Solide! Incroyable! Good job! Merci! Good job! Yeah! Mais moi, je peux te jouer. Ben oui. C'est quoi, non? Ok, j'ai tout droit, genre, juste une balle? Ouais. T'as droit à une chance. Attention, le gagnant paye la bière. Ouais! Oh! Bravo! Ouais, alors, Fait que je paye la bière. Vous avez aimé ça? Oui, c'était tellement. C'est cool, hein? Tu sais, c'est bien, bien différent d'une journée de golf normale parce que. Il y a tellement de façons de jouer au golf. On peut faire ça sur un 18 trous, on peut prendre la journée au complet. Puis moi, ce que je voulais faire avec vous autres, c'était d'un, vous sortir de votre environnement de travail, mais vous faire vivre le golf différemment dans un environnement qui est vraiment cool. Je suis curieux de vous entendre comment vous avez trouvé ça. Je pense que j'ai découvert peut-être un petit talent. Encore oui? Développé, peut-être développé encore un peu, mais je pense qu'entre filles, c'est un... Belle statistique. C'était vraiment le fun. Juste être dehors, Puis, Sumo, vous êtes comme devenu compétitive vite, puis vous vouliez l'avoir vite. Je voyais ça dans vos yeux. Mais pour vrai, là, avant qu'on fasse ça aujourd'hui, puis avant que je vous voir au bureau, puis qu'on vienne ici, c'était quoi votre image du golf? Vous pensiez quoi de ce sport-là, mettons? Un sport de papa. Un sport de papa, un sport de mon oncle, un sport d'adulte. Je trouvais que ça avait l'air un peu plat. C'est ça, honnêtement, ouais. je okay. pense, mais ouais. j'ai comme eu ce calme-là quand j'étais tellement concentrée juste sur ma balle ouais. qu'on dirait que je pensais pas à autre chose. Je suis devenue mature! Ça y est! Puis, mais là, après une journée comme celle-là, est-ce que vous avez une image différente de ce sport-là? Ben oui, définitivement. Moi, j'ai trouvé ça super le fun. J'ai pas vu le temps passer. Pour vrai, on a joué une heure, puis ça a passé comme c'était 2 minutes. Parfait, ça. C'était ça le but, c'était ça que je voulais, puis je suis content que vous ayez aimé ça. Fait que là, les filles, on avait dit que ceux qui perdent le concours de distance payent la bière, c'est ça? Non! OK, alors, je sais, c'est bon. Kev, 5 bières, s'il te plaît. Merci beaucoup, les filles, d'avoir pris le temps. Merci d'avoir accepté. Je suis content d'avoir fait ça avec vous autres. Puis merci à toi! C'était vraiment cool! Oui.
Puis cette campagne-là, sortez golfer, c'est ça le but. On veut que le monde sorte golfer, puis on va le refaire ailleurs, parce qu'il y a bien des endroits au Québec, avec grand plaisir qu'on va faire ça. On va sortir golfer bientôt. Salut tout le monde. Tout le monde a de la bière, sauf moi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.